D'après Dr Manga, un psychologue sénégalais, voici une journée typique d'un travailleur africain. Pour un travail qui commence à 7h30, il arrive au bureau à 8h00, passe 30 minutes à saluer ses collègues et à prendre de leurs nouvelles. Nangadev, Gutna Lagus, ça va bien, la famille, les amis, est-ce que ta femme va bien, est-ce que tes voisins, tes chats, tes chiens, ainsi de suite. Ensuite, 30 minutes pour prendre son petit déjeuner. S'installe à son bureau à 10h00 et ouvre les réseaux sociaux pour parcourir l'actualité. Ensuite, vérifier ses mails, puis commence à travailler à partir de 11h. À peine 2 heures de travail, c'est la pause à midi. Il va falloir revenir à 15h pour une petite sieste pour se réveiller plus tard à 16h, faire ses affaires et quitter le bureau à 17h pour éviter les embouteillages avant d'arriver à la maison à 18h. Voici à peu près comment un Africain moyen passe ses journées de travail. Les gens y passent 8 heures au travail. Ils arrivent au bureau à 8 heures, ils rentrent à 18 heures, c'est 8 heures au travail. Mais souvent, c'est 2 heures de travail. Généralement, quand tu demandes à certaines personnes, ils disent qu'ils travaillent. Mais en réalité, parce qu'ils sont salariés, parce que pour certains, ils sont à la fonction publique, donc on peut tricher. Mais si vous êtes un entrepreneur, voyez que vous ne pouvez pas tricher. Voyez que c'est compliqué de tricher parce que vous ne pouvez pas vous tricher. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Voilà pourquoi vous devez adopter des habitudes productives. Et dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience des habitudes qui m'ont rendu ultra productive. Il y a quelques années, j'ai adopté ces habitudes et ça a changé complètement ma vie. Et dans cette vidéo, je vais non seulement vous donner ces 6 habitudes, mais je vais vous donner également des fiches à la fin parce que c'est de vous accompagner, vous également, à devenir productive. Être productif, c'est faire beaucoup de choses en peu de temps. Être improductif, c'est passer 8 heures au travail pour 2 heures de travail. Faire peu de choses en beaucoup de temps. Et dans cette vidéo, vous allez devenir ultra productif. Donc, restez connectés. Donc, soyez les bienvenus. Ici, c'est Vivre et Réussir en Afrique et mon nom, c'est Justin Mortodé. Mon travail au quotidien, c'est d'accompagner des jeunes Africains à gagner beaucoup d'argent grâce à Internet. Dans mon équipe, j'en fais avec beaucoup qui gagnent minimum 1 million de francs CFA par mois grâce au marketing digital, grâce à la vente de produits et des services sur Internet, grâce au marketing relationnel et aux investissements, notamment immobiliers et crypto-monnaies. Donc, si toi également, tu regardes ce genre de vidéos-là, je suis vraiment sûr que tu cherches à augmenter tes capacités, donc tes compétences et à élargir également ton réseau. Parce que c'est avec les deux, la mise ensemble, seulement que tu peux gagner beaucoup d'argent. Parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et c'est seulement en gagnant beaucoup d'argent que tu peux réellement changer ta vie. Changer la vie de ta famille, changer la vie de ton entourage et contribuer au développement de ce continent-là. Donc, tu es au bon endroit. Surtout, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. On en publie régulièrement mardi, jeudi, vendredi. En tout cas, 3 fois par semaine, on publie des vidéos ici. Donc, reste connecté pour ne manquer aucune vidéo qui sera publiée ici. Les amis, quelles sont les bonnes habitudes de productivité? Faire beaucoup de choses en peu de temps. C'est très très important parce qu'aujourd'hui, regardez, nous avons tous 24 heures, n'est-ce pas? Mais comment certaines personnes arrivent à réaliser en 24 heures? Je veux même dire en une seule vie, ce que si tu donnais à certaines personnes même 5 ou 10 vies, vivre 10 fois, ils ne peuvent pas faire ce que certaines personnes peuvent le faire en une seule vie. C'est parce que ces personnes-là ont un secret, c'est la productivité. J'ai tenté moi-même d'adopter parce qu'il y a quelques temps, quand j'ai commencé à voir comment être productif, on me citait des personnes comme Elon Musk, on me citait des personnes comme Bill Gates, des personnes ultra productives comme Dangote, ainsi de suite. Donc, je me suis dit, OK, comment ils font? Donc, j'ai commencé à lire beaucoup de biographies des gens qui ont réussi, ainsi de suite. Et j'ai tiré à peu près les habitudes-là. J'ai implémenté dans ma vie. J'ai eu vraiment des résultats. Et j'ai après partagé aux gens de mon équipe, eux également, ils ont eu des résultats. Mais pour les personnes à qui j'ai partagé là, je vais vous retransmettre ici avec les fiches de soutien de comment nous on a travaillé et vous allez vous-même voir. Alors, première habitude de productivité, il faut planifier sa journée. Planifier sa journée. Ça,
c'est vraiment capital. Si vous ne planifiez pas votre journée, malheureusement, vous allez passer une journée comme ça, vous n'allez même pas vous rendre compte que la journée s'est passée et vous allez tout simplement perdre la journée. Et pour cela, pour vous aider, je vais mettre dans la description de cette vidéo une fiche que je donne à mes équipes. Parce que ce que je vous dis, c'est ce que nous on fait. Je vous mettrai l'exemple, la fiche là. Par exemple, dans la méthode phare, vous allez voir la fiche qui va s'afficher. Vous allez voir sur le côté droit de la fiche, vous allez voir les horaires. Donc, les horaires, c'est de 8h à 18h. Et vous voyez, par exemple, pour ces membres de l'équipe, lui, à 8h, il écrit à ses prospects. Donc, ça dit qu'en une journée, il planifie tout ce qu'il va faire en une journée. 8h, il écrit à ses prospects. À 9h, il a des rendez-vous. Donc, pour cette journée, il a un rendez-vous à 9h. Il a un rendez-vous à 10h. Et à 11h, il réécrit à ses prospects. À 12h, il relance les prospects. À 13h, il relance les prospects. À 14h, il va appeler. Donc, il a des appels prévus à 14h. À 15h, il a des prospects à qui il doit écrire. Il a un rendez-vous à 16h. À 17h, il réécrit à certains prospects. Et à 18h, il a un temps de sport. Ça, c'est comment le gars il a planifié sa journée. Est-ce que vous, ce que je vous dis là, j'ai toutes mes équipes, ils ont ça. Parce que ce sont des fiches que tout le monde a. J'ai donné ces fiches-là à tout le monde parce que je veux que tout le monde soit productif. Parce que ça ne sert également à rien de passer beaucoup de temps à dire que non, il y a ceci, je vais au travail. Mais après, quand on voit réellement, tu n'as pas travaillé. Donc, première habitude, les gens qui réussissent planifient le temps. Vous devez planifier votre temps. Quand vous ne planifiez pas votre temps, malheureusement, je sais que vous n'allez pas faire grand chose de votre journée et la journée est coulée comme ça. Planifiez votre temps. Deuxième, il faut définir les priorités suivant une méthode qu'on appelle la méthode A, B, C, D, E. Par exemple, chaque jour, vous devez avoir 5 priorités au maximum. Maximum. Si vous réécrivez, vous dites non, j'ai 20 priorités dans la journée, je sais que vous n'allez rien faire. Il faut avoir maximum 5 priorités et dans le meilleur des cas, 3 priorités. Et dans la fiche que vous pouvez toujours télécharger, vous allez voir que ici, il y a 3 grandes priorités chaque jour que mes équipes, toutes mes équipes, ils doivent avoir seulement 3 grandes priorités par jour. Il ne faut pas que dans la journée, que tu aies à faire ça, que tu aies à faire ça, que tu aies à faire ça, tu vas aller faire ça, tu vas aller... Tu auras tellement de choses à faire que si on se retrouve en fin d'une journée, tu n'as rien fait. Voilà pourquoi, par exemple, pour cette journée-là, pour cet élément de mon équipe, voici les 3 priorités de sa journée. Il doit lancer des campagnes publicitaires Facebook. Donc lui, par exemple, pour sa journée, il doit lancer des campagnes publicitaires Facebook parce que on vend des produits et des services sur Internet. Parce que ce n'est pas des histoires, tu connais quelqu'un. Donc, notre stratégie d'acquisition de clients, nous, notre force, c'est d'acquérir les prospects et les clients sur Internet. Donc, priorité de cette journée pour lui, c'est de lancer une campagne publicitaire. Deuxième priorité, c'est le travail. Alors, nous, on a un langage codé dans la méthode phare, comment nous on fonctionne. Pour nous, quand on dit travail, c'est-à-dire que réaliser des ventes. Parce que pour un entrepreneur, quand tu passes une journée, tu n'as pas vendu, tu n'as pas travaillé. Le seul moment le plus productif pour un entrepreneur, c'est le moment où il a vendu. Si tu n'as pas vendu ou bien tu es là, tu as, je sais pas, non, tu n'as pas travaillé. Il faut vendre. Moi, je ne peux pas accepter de passer une journée et que je vois un peu mes évolutions, mon chiffre d'affaires de jour en jour. Si ça n'évolue pas, ce n'est pas bon. Tu dois, dans une journée, en tant qu'un entrepreneur, tu vends. Si tu n'as pas vendu, tu n'as pas travaillé dans la journée. Et pour lui, par exemple, sa priorité, c'est la lecture. La lecture. Donc, pour lui, ça également, c'est une priorité. Donc, un entrepreneur, dans une journée, tu dois choisir au minimum ou bien tout au plus, dans un meilleur des cas, 3 priorités. Donc, tu as 3 priorités dans une journée que tu sais que chaque jour, tu dois réaliser 3 grandes priorités. Ça, c'est très important. Si vous n'avez pas de priorité, malheureusement, tout ce qui va venir, vous allez reporter, vous allez tomber dans ce qu'on appelle la procrastination. Et d'ailleurs, ça, je vais en refaire une autre vidéo pour vous donner des astuces pour éviter la procrastination. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, on va continuer avec troisième secret de la productivité, c'est ce qu'on appelle le deep work. Je pense qu'il y a un livre là-bas, comme ça, je pense, si vous regardez un peu derrière moi, il y a un livre qui s'appelle Deep Work, voilà. Le livre s'appelle Deep Work, voilà. C'est un livre quand même que je vous recommande de lire. Alors, je vais vous sortir le livre carrément. Donc, c'est ce livre-là, Deep Work, Newport, Cal Newport, qui a écrit ce livre. J'ai lu ce livre-là, mais c'est un très bon livre. Alors, en un mot, la quinquétance de ce livre se trouve même dans le nom. Donc, Deep Work, travailler en profondeur. Par exemple, quand tu écris tes priorités, tu dis que tu vas lancer des campagnes publicitaires. C'est ça ta priorité. Assis-toi sur les campagnes publicitaires-là.
commence vraiment à lancer la campagne publicitaire. Il faut travailler, te concentrer dessus et le faire. Il faut te concentrer dessus, le faire. Tu prends campagne publicitaire, tu t'assois, tu finis, tu mets de côté. Tu prends par exemple, tu dois vendre. Tu commences avec les prospects, tu les appelles, ainsi de suite. Ou bien tu as des rendez-vous. Parce que il faut que tu te mettes dans le deep. C'est-à-dire que tu es esprit, corps, âme, tout ça est plongé dans ce que tu fais. Sans ça, tu ne peux pas être productif. Sans ça, tu ne peux pas être productif. Voilà pourquoi dans troisième habitude pour être productif, c'est le deep work. Et en même temps, quatrième habitude, ça suit, il faut éviter les interruptions. Les interruptions, moi par exemple, là, je suis en train de faire des vidéos. Donc, pour la vidéo que je fais, parce que je devais vous montrer des fiches, ainsi de suite. Mais normalement, pour ceux qui savent, quand j'arrive au bureau pour travailler, dès que j'arrive, je remets mon téléphone à mes assistantes. C'est elles qui gardent mon téléphone et je prends souvent à la pause. Parfois, si vous m'appelez de 8h jusqu'à 12h, 13h, vous m'appelez, ça sonne, mais je ne décroche pas. Beaucoup ici, peut-être, ce sont des périodes, si vous m'appelez, je ne peux pas décrocher parce que je n'ai même pas le téléphone avec moi. Donc, elle dit que tout ce qui va être interruption, quand je commence vraiment à travailler, soit je mets le téléphone en charge de l'autre côté de la pièce, ou bien je donne à mes assistantes, ou bien... Mais les interruptions, j'essaie de couper toutes les interruptions pour que si je m'engage 2 heures de temps, c'est 2 heures productives et que si je reprenne 2 heures, ainsi de suite. Donc, les interruptions, on enlève les interruptions. Après, cinquième, c'est toujours des habitudes, hein, parce que c'est ça qui vous rendra productif. Cinquième, c'est de savoir dire non. Ça également, c'est quelque chose que si vous ne savez pas dire non, ça ne marche pas. Regardez, moi par exemple, tout le temps je reçois des messages. Non Justin, on t'invite à venir former des gens ici, on veut que tu viennes animer des séminaires ici, des conférences ici, on t'invite là, tu viens là. Si je dois répondre à toutes les sollicitations, je ne peux pas me concentrer sur le travail. Parce que ce que vous devez savoir, de là où je suis arrivé, par exemple, à construire des grosses équipes, ainsi de suite, un peu partout en Afrique, dans le monde d'ailleurs, j'ai construit des équipes. De là où je suis arrivé, il va falloir que je me concentre beaucoup sur moi-même, à me développer, à produire du contenu, à produire des formations, à répondre à mes équipes. Donc, je ne peux pas m'éparpiller et répondre aux sollicitations de tout le monde, telle association des jeunes qui veut que tu viennes faire ça, telle qui veut que tu viennes faire ça. Non, il faut savoir vraiment dans vos objectifs, dans vos priorités, est-ce que ça fait partie de vos objectifs ou bien de vos priorités? Si ça ne fait pas partie, je dis tout simplement non. Maintenant, au pire des cas, c'est sixième habitude, apprenez à déléguer. Par exemple, c'est samedi. Il y a une conférence qu'on m'a invité pour aller animer la conférence à Kaolack. C'est une des régions du Sénégal. Mais je ne peux pas partir parce que chaque jour, comme chaque week-end comme ça, je suis invité un peu partout. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaye de déléguer parce que le fait également d'avoir des équipes, j'ai formé mes équipes. Je dis, OK, toi, tu prends la voiture, tu vas animer tel séminaire, telle conférence, ainsi de suite. Ou bien, voilà, j'essaye de déléguer dans tout ce que vous faites. Si vous ne pouvez pas déléguer, tout dépendra de vous et alors que vous n'avez que 24 heures. Voilà pourquoi au début, je disais, les gens comme Elon Musk, des gens comme Dangote, ainsi de suite, vous les voyez, ces personnes-là, ils ne peuvent pas être en même temps partout. Non, ils ne peuvent pas. Donc, pour faire beaucoup de choses en peu de temps, ils vont déléguer. Et déléguer également, ça, je vais refaire une autre vidéo spécialement sur la délégation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ne veulent pas déléguer parce qu'ils pensent que s'ils délèguent, ils disent que non, bon, ça, je vais remettre ça à une autre personne pour faire. Ils sont pas, il n'y a pas trop de confiance. Donc, vraiment, c'est beaucoup de problèmes. Mais il y a des manières pour gérer ça sans problème, pour ne pas que ça vous pose de problème. Vous devez à un moment donné ou à un autre apprendre à faire confiance aux gens parce que vous seul, vous ne pouvez pas tout faire. Voilà pourquoi la délégation également, c'est vraiment une compétence, une capacité qu'il faut développer. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai vers vous avec les méthodes de délégation, avec les points de contrôle. Comment vous pouvez implanter des points de contrôle pour que même si vous confiez la tâche ou même la mission à quelqu'un, que vous ayez toujours des points de contrôle pour ne pas que ça aille dans tous les sens. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je me résume rapidement. Pour être productif, il faut planifier son temps, définir les priorités et se mettre résolument au travail à réaliser ce pourquoi vous avez défini les tâches tout en interrompant toutes les interruptions, dire non à toutes les personnes et à toutes les situations
qui vont venir vous déjouer de votre route et surtout déléguer au meilleur des cas les tâches dont vous ne pourrez pas vous-même le faire. Les amis, pour toutes les personnes qui veulent également être dans un environnement comme la méthode phare où on vous encadre, vous ne pouvez pas vous évaporer, vous ne pouvez pas vous échapper facilement parce que nous avons mis tout ce qu'il faut pour que les gens y travaillent, que les gens y soient productifs. Parce que si tu n'avances pas dans ta vie, c'est que tu ne produis pas assez. Tu consommes plus que tu ne produis. Et pour être productif, c'est-à-dire pour produire, il faut être organisé. Il faut être entouré par des personnes productives. Parce que si tu es dans un environnement de 10 personnes productives et que tu es le 11e flemmard, tu vas finir par devenir productif. Si tu veux rejoindre ces cercles-là, je vais mettre un lien dans les commentaires ou dans la description. Tu vas voir, aller découvrir c'est quoi la méthode phare, comment nous sommes puissants, comment nous sommes en train de révolutionner le réseau en Afrique. Ça se passe dans la description de cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à une prochaine vidéo. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.